Salut Johnny! Ça va? Bonjour à tous! Est-ce que ça va bien tout le monde? Allez, faites-moi signe quand vous êtes là! Salut Rico! Bon, bah tant mieux, ça va super. Salut Delphine! Comment ça va la famille Delberg? Salut Maxou! Monsieur Judy, comment ça va Elias Daoudi? Ça va poto? Bonjour Nathalie! Allez, tout le monde se connecte gentiment. Salut Cyril, bonjour à ta petite femme. Salut Brian. Salut la famille Besançon. Salut Gersand. La Bordelaise Laurence, coucou. Coucou Nathalie! Tu feras un bisou à Adèle, Nat? Hamdoulah, coach. Ouais. Salut Marina! Écoute, moi ça va, ça va. Je m'entretiens aussi hein, de mon côté. Allez, on attend encore un petit peu que tout le monde arrive. Yassine, t'es là? Salut Alexis. Monsieur Marocchini, coucou. On va attaquer d'ici 2 minutes. On va attendre que tout le monde se connecte. Avez juste besoin d'une serviette de toilette aujourd'hui et votre bouteille d'eau et un petit tapis. Salut Nono. Allez. Moi je suis Elki, toi t'es c'était Serre là, celui qui est costaud dans le sud là, Mathieu Marocchini. Salut Enzo, allez on se connecte. Salut Alex, la team BSO, coucou à tout le monde. La team sport toi bien, la team espace fort. La team Chemin Vert, ASLCV, Chemin Vert représente. Bonjour, tous ceux sur Instagram. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a cette lumière? Ouais, faites-moi signe. Ok, aujourd'hui, jeudi 2 avril, séance numéro 14. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez derrière? Il y a la suite de ma gueule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Faites-moi signe. Mais non, mais signe à toi, Lélé. Vous n'êtes pas cool. Bon, aujourd'hui, un petit déverrouillage articulaire pour commencer. Et ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuits. D'accord, on va éviter de faire des temps d'arrêt, donc on va les enchaîner. Premier circuit, ça va être que des abdos. Deuxième circuit, que du gainage. Troisième circuit, travail de fessiers et d'ischio-jambiers.
Quatrième circuit, abdos et gainage, où on intervertit les exercices. Cinquième exercice, la même chose. Et sixième exercice, on finira par un peu de fessiers et des ischios. On finira par des étirements. Et voilà, la relaxation tranquille, comme on fait à chaque fois. N'hésitez pas, toujours, je vous dis les mêmes choses, hein. Partagez, s'il vous plaît, likez. Instagram, romain-coach-sportif. La page Facebook, sport, plus loin toi, plus loin bien, / espace fort. Et la page YouTube, la chaîne YouTube, sport bien, espace fort. C'est difficile de parler derrière la caméra, surtout quand vous avez vos deux femmes c'est qui sont derrière la caméra qui sont en train de rigoler. C'est Mathieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Mathieu? Il a dit parce que tu vas lever la tête. Parce que t'as un souci de calvitie. Ah. Chez moi, c'est le crâne. On y va? C'est parti. Par contre, je trouve qu'il y a moins en moins de personnes qui nous. Nous envoient des photos. Qui nous envoient les photos, hein. Famille de quoi con, j'ai pas eu de photo hier. Johnny, j'ai pas eu de photo. Famille d'Elbert, j'ai pas eu de photo. Hein? Eric, j'ai juste vu quand t'étais en repos dans le jacuzzi. Hein? Faites partager un petit peu. Mathieu, je te vois pas. Je sais même pas si tu bosses. Mathieu, Marcini. Allez, on y va, déverrouillage. On y va, on va faire de la marche. Talon, planque, pointe, c'est parti. 3, 2, 1. Bah, dis bonjour, Florence. J'ai dit bonjour tout à l'heure. Dis bonjour à la caméra. Léa, dis bonjour. Bonjour. Allez, j'en ai des tupos un peu. Léa, hausse un petit peu, s'il te plaît. Oui, merci. Je suis coach, je suis patron. Talon, plan, pointe. Talon, plan, pointe. Là, on sent bien rigoler d'hier. Ok, on va faire des verrouillages des hanches. Des petits cercles. Vous devez avoir des courbatures un peu, hein, la semaine. Hein. Allez, mains sur les hanches, on va de la droite vers la gauche et vice versa. Eric, il me manque un micro, je suis sûr que je pourrais chanter en même temps. Oh là. La Léane qui nous fait des gestes derrière. Allez, on va faire les genoux, petit mouvement. Circulaire, c'est parti! On voit bien ma calvitie comme ça? Ah bah là, on peut pas la louper! Mais non, c'est parce que je suis blond à cet endroit-là! Tout le monde croit que c'est une calvitie, mais en fait, parce que je suis blond, on peut faire aussi les chevilles et les poignets en même temps. Ok, déverrouillage des épaules, des mouvements circulaires en avant et en arrière! On va alterner. Ok, on part pour un petit déverrouillage. Talon plante pointe, on marche. On se remballe, comme si on était à la plage. Ok. Salut, ça va? T'es bien dans le cadre. Eric il a dit, t'as vu, il y a un mec qui te ressemble à droite, à ta gauche. Dans la glace. Bren, il a dit, il a pris quoi à goûter.
Allez, dernier exercice. Pardon, dernier exercice. Épaule. Enfin, moi aussi, du coup. Super, vous avez bien travaillé, c'est fini. Belle séance à tous, merci d'être venus. Et si on faisait aujourd'hui, on demandait à Flo d'animer la séance, ça pourrait être sympa. Hein, Flo, tu nous expliques les exercices? Un tir de crunch. Bah je t'attends. Bon, allez on y va, bonjour à tous qui nous ont rejoints, Rodrigue, Cédric. Allez, premier exercice, allez, on arrête les conneries, on bosse. Crunch, abdos un tiers, pieds à plat. La tête posée au niveau du sol, d'accord? Vous mettez les mains au niveau des épaules et vous relevez un tout petit peu. Ok? On fixe bien un point en face. On ne tire pas sur les cervicales. Ça, on va le faire une fois. Ensuite, on relève un peu plus haut. Ok? C'est ce que j'appelle crunch deux tiers. Ensuite, on va faire oblique bas. On va chercher main à l'externe côté gauche, côté droit. Ok? Et ensuite, inter-cheville. Main à l'intérieur. On recommencera ensuite par le crunch. J'ai expliqué à chaque fois. Donc ça, c'est le premier circuit. Deuxième circuit, gainage avant-bras, gainage côté gauche, gainage côté droit, dorsal. Là, vous commencez à avoir l'habitude. Et on fera un deuxième tour en dynamique. Ok? Troisième circuit, on fera les fessiers. On l'a fait la semaine dernière. Pied au sol, on est sur les omoplates et on lève le bassin le plus haut possible. Ça, ça sera le premier. Le deuxième en dynamique. Troisième, on lève la jambe droite. Et on descend avec l'autre jambe et on inversera. Et ensuite on recommencera. Et pour les autres exercices, je vous les donnerai après. Ok? Let's go! Allez, c'est parti. On est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuits. Il n'y a pas de pause. Pour les exercices difficiles, donc vous restez sur des choses basiques. Vous connaissez déjà quelques exercices. Le gainage, vous ne le faites pas en dynamique. Vous le faites en sur les avant-bras. D'accord? Pour les abdos, quand ils seront difficiles, je vous donnerai les variantes comme hier. À un moment, on va faire l'abdo rameur. Vous resterez sur les mains et vous tendrez les jambes. Les autres, on le fera normalement. Ok? Allez, c'est parti pour 6 exercices. On est parti. 48 exercices. Allez, abdo entier, c'est parti. Bonne chance! On va relever un peu plus, on lève de moitié, on met les mains devant pour s'aider un peu, on y va. Il doit commencer à chauffer. Abdominal, on vient chercher de chaque côté. Voici. Ça brûle. Oh, tends les bras, Florence. Voilà. Ça ne s'applique pas, Florence. On vient chercher le malléole interne. Alors, on va chercher l'intérieur. C'est bam bam. Il y a l'âme qui fait le rambo derrière. Super. On part abdos un tiers. Le tout premier. 3, 2, 1. Let's go, on y va. Tito.
série-là, on relève de moitié. Les mains devant. On décolle un tout petit peu le bas du vent. Le bas du dos, en fait. Excusez-moi. Ça doit couler. Moi ça boule. Allez, on va chercher les mains derrière. 3, 2, 1, go! Ok, Malheur, interne. Allez, on est au 8ème, il nous restera que 40 derrière. Super, on part en gainage avant-bras. Allez. On pense à bien contracter le ventre et les fessiers. Ça vient souffler. Ok, ça doit être dur mine de rien parce qu'avec tout ce qu'on a fait cette semaine, on a le corps qui est un peu fatigué, c'est logique. Hein. On a des combattures. Gainage latéral côté gauche. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous mettez un pied devant l'autre. Ok, sur le ventre, les dorsaux. Demain, mettra ton éclairage, allez. Ok. On relève bien les épaules. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Ou alors, comme moi, au niveau des fesses. On relève les pieds et les épaules. Et on respecte si le ménage est bien fait sous le canapé. Gainage sur les avant-bras en dynamique. Petit mouvement de haut en bas au niveau du bassin. Ok. Gainage latéral côté gauche. Florence, ça ressemble à Marty dans Madagascar. Elle a mis le Z, c'est le Z. Allez, en dynamique. On descend et on monte. Allez, c'est bien. On change de côté. Don't touch me, please. C'est bon. Allez, la même chose. J'ai pas dit bonjour à Hugues, je crois que Hugues il est avec Marina. Salut Hugues. C'est des exercices pour toi ça. J'espère que tu fais pas trop de bricolage. Courage ma gazelle. Ouais. Steph. Ok, on va se mettre
Enfin, dorsaux sur le ventre, main derrière le dos ou derrière la tête. Et on fait en dynamique. On remonte et on descend les épaules. Pas besoin d'aller vite. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ok, on se met sur le dos, sur les omoplates, on plie les jambes, au relevé du bassin. Here we go, with 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors vous pouvez mettre les mains au sol, vous relevez. Hein. Donc là, vous serrez le fessier. Imaginez quand vous étiez petit là, à l'époque des suppositoires, pour l'époque qui rentre. Important d'imager, bien, important. En dynamique maintenant, vous descendez, vous remontez. 3, 2, 1, go. Ok, on va relever la jambe droite et on va descendre avec la jambe gauche, avec le côté, la fesse gauche. Exercice pour Héloïse et pour Isabelle. Et pour Valérie Lebert, c'est la dorsale. Ça doit vous brûler au niveau du fessier et des ischios. Ok, on change, on switch.
gainage sur les mains. Vous restez comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et pour les autres, mountain climber, montez du genou en même temps. Ok, abdominal en hauteur et on descend le bras tendu. Pour les autres, vous faites en bas. Ici, gauche, droite, je redescends. Je pivote bien de chaque côté. Ok, gainage. Alors, sur les avant-bras, et on pivote le bassin de droite à gauche. Pour les autres, vous restez en statique. On prend la peau à main. Ok, gainage, mountain climber, sur les mains, montez du genou. Allez. Super, c'est bien brûlé. Commencer à être dans le dur, c'est normal. Abdominal à la hauteur. Gainage sur les avant-bras. Allez. Rotation bassin. Ok, super. On part. Attends, mets pause. Okay. On part en cycling crunch. Ok, cycling crunch, c'est le pédalo comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous faites le vélo. Ensuite, on fera un gainage latéral côté gauche dynamique. On fera le relevé de jambes. On descend et on remonte. Et on fera un gainage côté droit dynamique. Et on recommence. Okay. C'est parti. Allez, gainage côté gauche, on passe le bras sous le bassin, sous le buste plutôt. Relevez de jambes. Ça existe, hein.
Allez, courage tout le monde, c'est bien, c'est bien. Gainage côté droit dynamique. Deuxième tour. Ok, super. Dernier tour.
On va remonter, descendre les fesses. On reste en fixe statique, ouais, merci Flo. Allez, là, on s'est apprécié. Ok. En dynamique maintenant. Stop. On serre là-haut, à fond, on relâche en bas. Ok. On va tendre la jambe droite, on plie la jambe gauche, on se met bien sur le talon. Allez, on monte et on descend. C'est l'avant-dernier. Ok, change de jambe, 48e exercice, super. Allez, c'est le dernier. Yes! Bravo. Bravo à tous! Bravo, 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 bravo! Super! On a enchaîné. Donc, sans compter l'échauffement, on a enchaîné 6 musiques de 4 minutes. Et sachant qu'il y a 8 exercices par cycle de musique, on a fait 48 exercices. Et là, on a fait un généralisé abdos, gainage, fessier. Et skew un petit peu. Donc, super! On va passer aux étirements. La semaine a été chargée, hein, c'est encore demain, donc je voulais faire une épreuve surprise derrière, rajouter un peu de burpees, choses comme ça. Mais non, on a bien bossé. On va faire étirement les adducteurs. On va se mettre en papillon, pied dans pied, main soit sur le cheville, tibia, coude sur les genoux. Et on va mettre une petite pression sur le coude pour descendre les genoux vers le bas. Allez, on y va. On relâche. On recommence. On relâche. On s'est assoufflé. On s'hydratera après. Ok, j'ai entendu. Demi-papillon. Le bus, donc j'ai tendu ma jambe droite. Donc ma main va venir chercher ma pointe de pied au niveau de la cheville droite. Et mon bus va se pencher vers l'avant. On relâche. On recommence. Ok, on relâche, on change de jambe. Demi-papillon, j'ai entendu, et on va chercher devant. On relâche. J'ai gagné parce qu'au début des séances, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais là. Hein. Et là, je suis. Les deux mains, ils y sont presque. Hein. Ok, super. On se met à genoux, fais un étirement du psoas. Une jambe fléchie comme ceci, l'autre elle est pliée au sol, les mains sur le genou, les deux mains, et je vais basculer mon bassin vers là. Voilà, étirement du psoas iliaque. Le muscle est juste ici, et il s'accroche, il passe au niveau de la crête iliaque, au niveau de la hanche, et il s'accroche derrière dans le bas du dos. Il nous aide à l'élévation de la jambe celui-là. On relâche. On va le refaire. Et puis si on pivote, voyez, si je pivote un tout petit peu mon bassin, ici, j'étire en même temps un peu l'adducteur. Voilà, on relâche. Jambe tendue l'autre, et on vient chercher devant. On relâche un peu. On reprend.
Je peux prendre aussi là. Allez, une jambe fléchie, les mains ici, et on va basculer devant le bassin. On relâche. On reprend. Super. La jambe tendue, on vient chercher devant. On relâche. On reprend. Ok. On va se mettre sur le côté. Ok, sur le côté. Je prends ma jambe du dessus. J'attrape ma plante, mon dessus de pied avec ma main et je ramène ma jambe vers l'arrière. Étirement du quadriceps. Ok, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, on en fait un deuxième. On se met sur le ventre, toujours la jambe droite. On prend le pied dans sa main et on ramène le talon dans sa fesse. Ok, change de côté. On se remet sur le côté. Ok, comme ceci. Je prends mon pied dans la main et je ramène ma cuisse vers l'arrière. Sur le ventre. Sur le ventre. J'attrape mon pied et je ramène mon talon dans la fesse. Ok. On va se mettre sur le dos. Je vais tendre ma jambe droite au sol. Et je vais ramener ma jambe. Je mets mes mains derrière au niveau du creux. Derrière genou, crepopité là, et je ramène vers moi. Ok, une fois que j'ai ramené, je prends mon genou et je ramène sur le côté. Ça craque dans ma vidéo, c'est pour mettre les lombaires. On change. J'attrape mon genou derrière, je ramène vers moi la cuisse. Et je ramène la jambe de l'autre côté. Je plie les jambes, on va faire fessier. Je mets mon pied sur mon genou droit. J'attrape mon genou comme ceci. Et je ramène mon genou vers moi. Si ça ne se sent pas trop le fessier, je prends mon pied comme ceci, je le ramène vers moi. Interfécis. Ok, on change. Même procédé. Je passe ma main entre mes deux jambes. Hop, une main ici, une main derrière et je ramène. Et si ça a été repassé, je prends la main. Ok. Sur les genoux, on étire le bas du dos un peu. On s'assoit sur les fesses et on va venir chercher devant. Allez, plus loin possible. Ça étire aussi les épaules là. Ok, on relâche. Ok, ça va être bon pour aujourd'hui. Heureusement. Bravo à tous. 14e séance. Donc, on continue, on lâche rien. J'espère que ça vous a plu. On essaie au début de changer, que c'est jamais les mêmes séances. On varie sur les exercices ou quoi que ce soit. On a toujours un thème précis sur toute la semaine, d'accord. Donc demain, je pense que ce sera un circuit fessier pour les fils, pour les filles, pardon. On n'a pas fait fessier cette semaine les filles spécialement. Et nous les gars, ça sera surprise. Likez, partagez, envoyez-moi vos photos, vos petits commentaires, s'il vous plaît. Et puis bah, diffusez autour de vous s'il vous plaît, allez liker mes pages, je vous mets le lien juste après, je vous mets la séance en photo juste après derrière pour ceux qui n'ont pas pu la faire, qui n'ont pas pu tout faire, vous pouvez la faire quand vous voulez, j'ai des messages le matin, il y a des gens qui le font le matin qui ne peuvent pas le faire le soir, donc ça fait plaisir. Voilà,
chaque jour, vous pouvez faire une séance. Elle reste sur la page Facebook. Je vais essayer de voir avec la petite Chloé Delberg si je peux mettre tout. Si Chloé, si tu m'entends, si tu peux récupérer, t'es administrateur aussi sur la page, si tu peux récupérer les vidéos et les mettre sur la chaîne YouTube aussi. D'accord ? On va s'appeler après. J'espère que t'as pas trop de taf. Qu'on puisse mettre les liens derrière avec ce qu'on a travaillé. On me dit d'accélérer derrière. Les films font des grands gestes, coupent, tu parles trop. Mais moi j'ai envie de parler, il manque les gens, ça fait longtemps que je les ai vus moi. Les gens ils ont envie d'aller boire, ils sont fatigués. Non, ils ont pas envie d'aller boire, ils ont pas envie d'aller boire. Écoutez, restez chez vous, hein. Je pense que encore un petit mois chez nous. Peut-être que début mai si tout. Voire fin avril, peut-être que si tout se passe bien, peut-être qu'on va pouvoir recommencer à sortir et s'en retrouver. J'ai une idée qui me vient, à la fin du confinement. J'ai organisé, donc on fera un événement, j'ai organisé une grande séance comme ça de coaching. Et on va essayer d'être plus de 100 personnes, d'accord? Donc je vous dirai le lieu et tout ça, j'essaie de faire un... On fera un coaching dehors, il n'y a aucun souci, fournira des tapis, il faudra en amener. Mais je vais faire une séance avec le plus de personnes possible en live. Mais tu dis apéro après par contre. Ok, et on fera, comme dit Flo, hein, fera apéro derrière, bien entendu, on fera barbecue, apéro, d'accord? Donc je m'y engage, fin du confinement, on fait une putain de séance et on finit par barbecue, bringue derrière. On peut faire musique et tout à la salle, il n'y a aucun souci. Ok? Bisous tout le monde! Bisous tout le monde, merci à vous. Postez vos photos et partagez. Bisous, bye bye!